est venu fêter les 15 ans de la mission du Panamé avec nous. Je remercie d'abord l'Esprit Saint de m'avoir laissé partager ce petit moment avec vous. Parce qu'il y a longtemps que l'Esprit Saint ne me laisse plus quand il y a des rencontres, que ce soit sur la colline ou n'importe où, très longtemps. Donc, je suis contente d'être présente ce soir. Non, ce matin. Je suis contente. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que vous avez bien fêté. Particulièrement à moi, parce que je me rappelle d'où on vient, le parcours qu'on a fait, tout ce qu'on a traversé, et là où on est aujourd'hui. Je sais que c'est l'Esprit Saint même qui nous a donné la force de traverser tout ça, si on ne serait pas là aujourd'hui. C'est tout comme si la mission a commencé, c'était hier, quoi. On a déjà fait 15 ans. Ça passe tellement vite. Je me rappelle que j'avais 16 ans, maintenant j'ai 31 ans. Donc, je me dis que je vieillis. Et que, comme je vieillis, pauvre Jésus n'a qu'à faire doucement avec mon corps. Plus jeune comme avant. Mais vous m'avez laissé sur moi, je n'ai pas préparé mon discours. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes passés par tellement de souffrances, de difficultés, d'émotions, de peine, de joie, de larmes, de rire, de fêtes et tout le reste. Ou bien, nous avons été harcelés, nous avons été persécutés. On tombe, on se relève. Mais pourtant, nous sommes ici aujourd'hui. Donc, on rend grâce à l'Esprit Saint. Rendez grâce pour moi et pour chacun de vous. Parce que si je suis encore là, je tiens encore le coup, c'est grâce à l'Esprit Saint et grâce à vous. Vous qui êtes là, qui me soutenez tous les jours. Vous qui êtes là, vous les d'Abovie, quand je me rappelle de vous, je me dis, je dois continuer à avancer, à avancer, à avancer. Et même quand je me tombe, je me relève. Ce n'est pas par ma force que je me relève, c'est l'Esprit Saint. Mais au moins, je suis debout. J'ai connu des périodes très difficiles. Je ne savais même pas que je serais debout et fêter les 15 ans de la mission. Parce que j'ai été très malade. Sur plus d'une année, même si personne ne savait, j'étais très malade. Mais l'Esprit Saint, quand lui venait, il sortait quand même pour aller rencontrer les d'Abovie. Et devant tout le monde, il faisait tout comme si tout allait bien. Donc, il n'osait pas me laisser. Sinon, moi, je vais faire voir ma douleur. Et j'ai cru même que j'allais partir avant les 30 ans. Mais aujourd'hui, grâce à lui, je me suis retrouvée. Et je suis au moins à 80% guérie. Donc, applaudissez l'Esprit Saint. Pour chacun de vous ici. Je ne souhaite même pas, ce sera ça, pour chacun de vous. L'Esprit Saint va
nous accorder cette grâce-là avant que vous ne quittiez ici. Et pas seulement la grâce de la guérison, la grâce de la réussite. Parce que je dis toujours, moi je me pose toujours une question. Je sais que je suis fille très intelligente, très douée, et que je réussis très bien dans les études. Mais si Dieu n'avait pas péché, je me demande, où est-ce que je serais aujourd'hui? Qui est-ce que je serais aujourd'hui? Peut-être que j'aurais des diplômes et que je n'aurais pas de boulot. Peut-être que je serais déjà mariée avec des enfants, avec un mari irresponsable, qui serait en train de me battre tous les jours. Peut-être que je serais au bord de la voie en train de vendre de l'essence. Il y a tellement de peut-être qu'on ne peut jamais prétendre que sans Dieu, notre vie sera une vie rayonnante. C'est pour ça que même si je n'ai pas tout ce que je souhaite dans ma vie, le peu que j'ai me suffit. Je rends grâce à l'Esprit Saint pour ce qu'il m'a donné, pour ce qu'il a fait de moi. Moi, je me dis que j'ai réussi ma vie. C'est ce que je me dis. J'ai réussi ma vie parce que je suis l'être humain le plus puissant au monde. Et donc, je veux que vous aussi, vous réussissez votre vie. Il n'y a pas d'âge pour la réussite. On peut avoir 100 ans et commencer à réussir. Celui qui a KFC, c'est à 70 ans qu'il est devenu milliardaire. Alors qu'il a souffert toute sa vie. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, il n'y a pas d'âge pour réussir. Dans la vie, on peut réussir à n'importe quel âge. Même si vous n'avez pas encore réussi jusqu'à aujourd'hui, votre réussite commence dès l'instant. Je ne veux pas prier pour que le monde entier vous connaisse comme on me connaît. À ce moment, je dois être plus puissante que vous. Mais je prie pour que le ciel vous connaisse. Parce que moi, le ciel me connaît et la terre me connaît. Mais vous, même si la terre ne vous connaît pas, ce n'est pas grave. Si le ciel vous connaît, vous droite, vous aurez tous les privilèges de la terre et du ciel. Que la grâce de l'Esprit Saint vous accompagne. Amen. Si vous avez resté dans cette mission jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il vous réserve quelque chose. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que votre destin, vous n'avez pas encore accompli votre destin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez encore beaucoup de choses à faire dans votre vie. Vous avez beaucoup de choses à gagner dans votre vie. Vous devez le savoir. Et les 15 années qui restent à venir, est-ce que ça dit qu'il peut faire plus de 15 ans, qu'il peut faire plus de 30 ans? Moi, je ne veux que faire que 30 ans. Là, c'est là qu'il j'irai le même. Dans 15 ans, moi, je vais prendre ma retraite. Parce que c'est un contrat. 30 ans de travail et retraite. Mais s'il nous demande de continuer, on va continuer, non? Oui. Qu'il vous garde dans la mission pendant tout son séjour sur la terre. Et qu'il vous accueille aussi le jour de votre mort au paradis. Amen. Moi j'ai déjà tout. J'ai le ciel, j'ai la terre, je vous aime, vous. Tout, j'ai tout. Je prie aussi que vous aussi vous ayez tout. Et que le péché ne soit pas des handicaps pour l'accomplissement de nos vies. Que l'Esprit Saint ne regarde pas nos péchés, qu'il regarde nos cœurs, l'amour que nous avons pour lui. L'amour qui nous a amené ici ce soir, ce matin. Non, hier. Vous étiez ici hier, non? Oui. Voilà. L'amour qui a amené chacun ici.
L'Esprit Saint n'a qu'à regarder ça et nous bénir davantage. Qu'il nous donne longue vie pour qu'on puisse se retrouver ici pour fêter les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans, les 35 ans, les 40 ans, les 45 ans, les 50 ans. Voilà. Non, il y aura de retraite, sauf que moi, je viendrai juste fêter avec vous. Après 30 ans, je ne vais plus travailler. Mais je viendrai fêter avec vous. Je souhaite tout le bonheur pour vous, pour le Saint-Père, pour les cardinaux, pour les évêques, pour les prêtres, pour le clergé, pour tout le monde. Merci beaucoup.